Bonjour à tous. À l'occasion du jour du souvenir, on honore les courageux militaires canadiens, ceux d'aujourd'hui comme ceux du passé, qui servent et défendent notre pays. On rend donc hommage à nos anciens combattants, dont ceux qui ont été blessés et tous ceux qui ont fait l'ultime sacrifice pour notre liberté, notre paix et notre démocratie. Et on honore les membres de leurs familles, notamment leurs parents, frères et sœurs, enfants et conjoints, qui ont accepté l'absence de leurs proches au nom de notre pays. Génération après génération, on a une énorme dette envers ces femmes et ces hommes pour leur courage tout au long de l'histoire du Canada. Cette année marque également le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Du début de la guerre en 1939 jusqu'à la victoire des Alliés en 1945, plus d'un million de Canadiens ont servi au sein des forces armées de notre pays. D'un océan à l'autre, le Canada s'est mobilisé non seulement pour vaincre les forces du fascisme, de l'autoritarisme et de l'oppression, mais aussi pour bâtir un monde meilleur. Et 75 années plus tard, on doit encore énormément à ceux qui ont contribué à rendre notre pays plus prospère, plus sûr et plus libre. On suit leurs traces en relevant les défis d'aujourd'hui et en livrant un nouveau type de bataille, cette fois contre la COVID-19. Et ce faisant, tous les Canadiens, et particulièrement nos membres des forces armées, ont continué de répondre à l'appel. Afin de venir en aide à nos citoyens les plus vulnérables, ils ont encore une fois mis leur vie en danger pour les autres. Voilà pourquoi, chaque année, en novembre, afin de leur montrer notre reconnaissance et notre respect pour leur courage, on les place près de notre cœur en portant un coquelicot. Et on leur rend hommage en silence, comme une sombre prise de conscience de l'ampleur de leur sacrifice. Pour ceux qu'on a perdus, hier comme aujourd'hui, n'oublions jamais.